salut à tous et bienvenue dans l'épisode 17 du Let's Play de Far Cry 4. Ouais, j'allais dire Far Cry 17, mais non. Donc dans l'épisode 17 du Let's Play de Far Cry 4, je viens de me faire attaquer par un rhinocéros, donc du coup on va se soigner, voilà. Bonjour, vous êtes parti, merci. Et on va aller faire une mission pour Wallace, il me semble. C'est ça, c'est Wallace. Willis, pardon. Willis. Hop, allez, je prends le quad. Et... avec lequel je roule très bien. Donc, avec lequel je roule très bien, j'ai dit deux secondes avant. Donc on n'a rien vu. Donc cette fois-ci, je suis en pleine forme. Donc du coup, vous aurez votre épisode. Parce que ça fait un petit moment que j'avais pas envie de jouer à Far Cry. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu d'épisode de Far Cry. C'est juste que j'en avais pas. J'avais pas envie de jouer et j'avais pas envie de faire une vidéo. Si j'avais pas envie de jouer, ça aurait été une vidéo. Un peu, je veux dire, faites juste pour le faire, quoi. Et j'aime pas faire des vidéos juste pour les faire. Si j'ai envie, je le fais. Si j'ai pas envie d'y jouer, ben je ne le fais pas. Et je préfère jouer au jeu auquel j'ai envie. Ouais. Vous êtes qui? Il saura jamais si tu m'aides pas à me poser à l'aéroport. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Ok. Vous êtes toujours là? Ah, super. Oh, je crois que je me suis fait griller. Oh, il y a un jaguar tout près. Oh, on va vite se casser. Oui, j'ai entendu le jaguar. Alors, c'est où? C'est où? C'est là. Ah, ok, oui. Ça va. On va y aller à Val d'Oise ou pas? Non, on va suivre le chemin. Ouais. Vu qu'en quoi tu roules très très bien, hein. Voilà. Donc, je voulais dire aussi que, avant de commencer la mission, que hier, j'avais envie de jouer à Far Cry, mais je me suis tapé une installation, donc du coup, bon, très grave, j'avais vraiment un grand mal de tête, donc j'ai préféré pas tourner. Et c'est tout. Voilà, et aussi, donc le matin, parce que normalement, je tourne mes vidéos vers 9h du matin, pour que vous les ayez à l'heure. Et à 9h du matin, il faisait 37 degrés. Donc là, j'étais pas encore malade, hein, évidemment. Et est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc là, je vous raconte un peu ma vie, c'est normal. je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc, à part que je vous racontais ma vie. Donc oui, il faisait 37 degrés au matin et j'arrêtais pas de mourir de soif. Donc du coup, je préférais, parce qu'en plus de ça, il y avait des travaux devant chez moi. Donc même si j'avais pas été malade, même s'il avait pas fait 37 degrés, il y avait des travaux devant chez moi. Et ça arrêtait pas de faire du bruit. Donc du coup, je n'aurais quand même pas pu tourner ou alors pas dans de bonnes conditions. J'aime pas tourner quand j'ai pas de bonnes conditions. Donc du coup, voilà, c'est tout. C'est juste qu'il faisait 35 degrés, ah oui, et voilà, je devais boire, enfin je buvais souvent. Et donc du coup j'avais pas envie qu'on entende les bruits de verre et tout ça à chaque fois que je bois un coup. Je suis à l'aéroport. Parce que hier j'ai bu environ, avant d'être malade, j'ai bu je ne sais pas combien de litres d'eau. N'alertez pas les commandants. Le commandant. Je crois que je me suis déjà fait griller en fait. Ok. Bah oui, il me semble bien, je me suis déjà fait repérer, mais je savais pas que je devais pas me faire repérer moi. Merde. Ok. Alors c'est une bonne vidéo ça. Bon maintenant j'ai fini de vous raconter ma vie. Donc on va jouer. Ah oui, j'ai dit hier j'ai bu combien de litres d'eau moi hier, je sais pas, un paquet. Vive la précision pour ça. Mon viseur est un peu... achoui à petit, je dirais. Ah, oh, il bouge juste quand je l'ai dans la tête, quoi. J'ai préféré ne pas tirer, j'aurais peut-être pu le tuer quand même. Mais j'ai préféré ne pas tirer parce qu'il est quand même vachement loin. Celui-là, s'il ne bouge pas, on peut le tuer. Celui-là, il y a un chouïa trop loin.
Ok. Pas mal, on est pas mal là. Je vais un peu, moi, je vais monter là pour pouvoir détruire l'alarme. Je l'ai vu, j'ai vu où elle était. Je sais pas s'il y en a qu'une ou s'il y en a plusieurs. Donc j'ai vu celle qui est là. Il est où le boîtier? Oh, allez. Ah, je suis sûr qu'ils mettent les arbres exprès devant les alarmes, mais c'est pas possible. Regardez cet arbre là. Elle est où l'alarme? Ok, j'ai perdu l'alarme. Ah non, elle est juste là, ok. Donc le boîtier est là. Ok. Encore deux alarmes. Deux alarmes? Ça fait bien beaucoup ça. Il y en a une là. Si je peux tirer dedans. Ah non, c'est pas une alarme ça, c'est quoi? C'est un poteau? C'est juste un bête poteau? Ok. Hop 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 hop. Y'a personne ici? Ok, bah non, y'a pas l'air d'avoir grand monde. Donc il me reste 4 seringues, donc ça on est plutôt bon. Il y a un mortier ici si on veut faire de la merde. Kira Terreporte. Je cherche les alarmes là. Bon, il en reste encore 2. Mais là, ça c'est une alarme. Mais il est où le boîtier? Oh là. On va essayer de le buter. Ok. C'était peut-être une erreur d'essayer de le buter. Oh fuck. Y'a pas l'air d'avoir grand monde. Ah, y'a un autre sniper là. Donc lui il se méfie, il faut que je le tue. Ah, ma respiration elle tient pas assez longtemps. C'est pas assez long. Voilà. J'ai été sniper dans une autre vie. Oh, c'est sérieux ce que je rate? Ok. Les deux alarmes ont l'air d'être... donc il y en a une là apparemment, c'est là où il y a les lumières rouges je pense. Mais là je vois, mais c'est le il est où le boîtier, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va falloir le tuer lui, je vous assure qu'il va falloir le tuer. Attention, il est là, comment je... Ok, là ça devient très chaud. Il me reste un sniper à tuer, mais je ne sais pas où il est. Il doit peut-être être là au-dessus. Apparemment non. Mais il est où alors? Il reste un sniper, mais il est où? Il est pas là, mais il est où? Il est pas là. Ok, ta gueule. Merde. Fuck. Trop, j'en ai entendu un parler vraiment très très près de moi. C'est à lui qui est parlé? Non. Lui il est trop loin pour que ce soit lui que j'aie entendu. Il est où celui que j'ai entendu, bordel de merde? Arrête de bouger, bordel! Bon, eux sont marqués, donc c'est pas les plus importants. Eux sont marqués, on va redescendre, je vais aller de l'autre côté, mais j'aimerais bien détruire les deux alarmes avant de... Mais il me reste un sniper à buter. Mais je ne sais pas où il est. Et ça c'est pas très 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 bon de ne pas savoir où il est. Fuck. Je suis obligé de passer comme ça. Voilà.
Comme ce mate accroupi. Alors, celui de la tour là, je l'ai buté. Hein. Où est-ce qu'il est ? Bon, cette alarme là, elle est où ? Ah non, c'est juste un indicateur de vent. Moi qui pensais que c'était une alarme. Elles sont où les deux autres alors ? Il m'a dit qu'il en restait deux. What the fuck? Il a dit qu'il restait encore deux alarmes et un sniper, mais je ne le trouve pas. On va un peu s'avancer là. Ok. Ça a l'air d'être assez clean quand même là. Est-ce que c'est toi le dernier sniper? Il est juste à côté de l'alarme. Hein. Est-ce que je tire d'abord sur l'alarme ou d'abord sur lui? Je vais d'abord essayer de trouver l'autre alarme. Parce que là, il reste une autre alarme, il m'a dit. Comme ça, il pourra pas sonner l'alarme. Alors, elle est où cette dernière alarme du coup? On en a repéré une maintenant. Il faut trouver l'autre. Celle-là, elle est détruite. Celle-là, on l'a vue. Et l'autre, elle doit être tout près de moi alors. Mais elle est où? Comment ça, où? Allez, rends-toi! Vas-y, couille molle! Oh non! Le commandant a été alerté. Il faut juste que je tue le commandant alors! S'il faut juste que je tue le commandant, c'est bon hein! Voilà, on a le dernier sniper qui est là. C'est bon, vous pouvez atterrir. J'ai tué les snipers. Bien joué! Je suis en approche finale! Rejoins la tour de contrôle et appelle-moi une fois là-bas! Alors. N'alertez pas le commandant. Mais non, non, très casse, le commandant il va mourir. Monsieur, tu peux arrêter de te cacher derrière ton truc là, merde! Monte ta tête que je puisse tirer dedans. Ok, et l'alarme, je peux pas la détruire d'ici. Ah non, c'est pour ça que j'avais fait le grand tour. Il y a pas moyen de remonter plus haut en plus. Ah là 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 là. C'est pas grave, c'est pas grave. Yep. Bon, j'ai tué tous les snipers, donc normalement c'est relativement calme. Faut juste pas que j'alerte l'autre. Je n'ai pas gros problème non plus quoi. Ça devrait aller. Je vais vraiment sortir. Ok. Est-ce que je peux détruire cette alarme d'ici? Non. D'ici peut-être. D'ici je peux. Mais il y a le commandant. Ah bah on va aller là tranquille alors. On va aller là-bas tranquille. Ok. Faut juste que j'aille à la tour de contrôle. Mais qui est où? Ah il est là. T'es tout seul? T'es tout seul, hein, on dirait bien. T'es mort maintenant. Ah ok, ça c'est en pleine tête, ok. J'ai pas eu l'impression de le tirer en pleine tête, mais bon. Est-ce que je dois tuer le commandant ou juste ne pas l'alerter? Je crois que c'est juste ne pas l'alerter, donc on va pas essayer de le tuer. Hop. Ah ok, on me donne un sniper. Ok. Je suis en position. Reste là et couvre-moi. Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler. Si jamais ça tourne mal, je t'envoie un signal. Quel genre de signal? Si je dis Ronald Reagan, t'ouvres le feu et t'arrêtes que quand tous les méchants sont morts. Ronald Reagan? Très bien.
Je vais garder cette fréquence ouverte, mais fais pas trop de bruit. J'ai vraiment pas besoin de distraction. Ce mec est du genre un peu nerveux, compris? Compris. Bien, c'est parti. Ok, donc, Ronald Reagan. J'ai le matos avec moi, exactement comme t'as demandé. Changement de programme. De quoi tu parles? J'ai dit changement de programme. Yuma veut que je vous ramène. Non mais tu déconnes. Je peux pas faire ça, on avait un marché. Vous et votre avion, vous allez nulle part. Je peux pas enlever l'appareil photo. Je voir Yuma. On doit bien pouvoir s'arranger, non? Y'a rien à arranger du tout, mon pote. Chez moi, un marché, c'est un marché. On le change pas comme ça, c'est anti-américain. Tu commences à me faire chier. Il a pas dit Ronald Reagan. Les méchants arrivent par le 9, me fait canarder. Fais gaffe là-haut. Il me faut ça, il est plus puissant, je crois. Ok, il est plus puissant, mais il est lent à recharger. Hey, je suis pas incroyable. Donne-moi un coup de main. Tu crois que je fais quoi là? Je t'aide, mais l'autre là est derrière son truc, qu'est-ce que tu veux que je le tue moi? Mon truc il passe pas à travers le métal, je crois. Contact au sud, descends-les. Oh là là là, c'est tellement. Pire de couverture, ça veut dire couvre-moi. Oui, je sais, monsieur, mais j'ai un sniper qui tire balle par balle. Ok, boum. Oh, raté. Oh, raté. Je me fais mis. Il y a des méchants en front par ici. Je vais foncer droit vers l'entrepôt. Couvre-moi. J'ai touché. Qui t'a appris à couvrir tes équipiers, putain de merde? Ok, tu veux que je te couvre? On va te couvrir. C'est bon là, t'es content? Hein? Ça va si je fais tout péter? Ouais, mais là, gars, je peux pas te protéger si tu vas derrière les trucs, moi. Y'a tout un groupe de mecs qui descendent la montagne! Ouh, ça je les vois pas, moi. Quelle montagne? C'est bon, d'abord, je les ai vus. Ok, eux sont peut-être un peu là par contre. Mais j'ai pas de zoom sur ce snipe. Oh, en plus le mien est tombé, je crois. Et en plus, il y a cette banderole de merde que j'aimerais bien couper. Mais tu te démerdes bien, Willis. Je te laisse tout seul, moi. Qu'est-ce qu'il fout? Oh là là, mais je suis nul. C'est tout mort là, j'ai l'impression. Il y en a un qui est parti là, mais je peux pas le tuer moi. Est-ce que je peux descendre pour l'aider ou... Ouais, je pense que oui. C'est libre. Ok, on va y aller à la barbare alors. Hop, on va se soigner quand même. J'aime la barbare. Génial. Ils ont un hélico. Ouais. Et si j'avais su, je serais resté dans mon bâtiment, bordel merde. Allez. S'échapper, il était marqué quoi? S'échapper, je sais pas quoi. J'ai pas le temps de lire. J'étais concentré sur l'hélico, bordel! Ok. Il est où lui? Il y a quoi qui a explosé comme ça? Comment ça, les mecs mortiers, tout ça? C'est moi. Ah oui, donc lui, j'ai eu. Ok.
Il en a strictement rien à foutre de moi quoi, il tire au mortier pendant que je suis là, ça le dérange pas quoi. Fais-toi plaisir gars, hein. Vas-y. T'as raison, tue-moi. Et je suis censé faire quoi moi là? Je ne sais pas ce que je suis censé faire, j'ai pas compris. Ah, là par là je pouvais grappiller au moins. Bonjour, t'es mort. Bonjour. T'es mort. Ah non, bonjour, j'ai raté. Bonjour, t'es mort. Bonjour, toi. Ouais, j'ai tiré un peu trop en avant. Ouais, j'ai encore tiré un peu trop en avant. Et je dois juste partir, moi, ou je dois faire quoi, là? Je dois tuer le reste, non? Je sais pas ce que je dois faire. Viens nul là. Wow. Je sais pas ce que je suis censé faire. Il m'a parlé du mortier tout à l'heure. On va aller sur le mortier voir si c'est pas moi qui dois aller au mortier. Celui-là je comprends pas. Si ça se trouve c'est moi qui dois tuer tout le monde au mortier. Mais c'est lui qui tire au mortier donc du coup je sais pas, j'ai pas trop compris ce que je devais faire. Ils me l'ont écrit mais j'étais en train de détruire l'écho donc j'ai pas fait attention. Là c'est un peu trop devant moi. Là ça doit être bon là. Ok, un peu trop devant moi. Ok, un peu trop. Et là, ça doit être bon. J'ai l'air un peu au mortier. Pas simple. Voilà, là, c'était pas mal. Pourtant, celui que je visais, il est pas mort. Ok, moi je fais tout péter, je m'en fous, je tire partout au mortier. J'arrive pas à viser avec, bordel. On va essayer de viser correctement. Là je pense qu'on est bon là. Allez, c'était télé, monsieur. Eh, ça va aller, ça va être plus facile comme ça. Hein. Ah oui, ça je sais viser au moins. Toi, t'es mort, toi. Voilà. À en croire l'absence de fusillade et d'explosion, j'ai bien l'impression que t'es tranquille. Viens me voir à l'entrepôt, qu'on puisse enfin discuter. Ouh. Face à face. Boum, je meurs, ça serait con quand même. Alors, j'espère que t'as de l'argent. De l'argent! Avec tout ce que je vais te faire là? Ça fait 25 ans et je sais toujours pas si cette odeur vient d'une mauvaise hygiène ou de l'absence totale d'espoir. Moi, je sens rien du tout.
Ça sert plus à rien que je joue la comédie. Mais alors, vous êtes qui? Regarde-toi. T'as une gueule de touriste et une âme de killer. On dirait un putain de loup en costume de berger. Beaucoup mieux que le connard que je me trimballais dans ma dernière mission. Mais, comme toi, c'était un patriote, le genre de type qui met la main sur le cœur dès qu'il entend l'hymne au match du 4 juillet. Gueule de touriste? Je bosse pour Langley, agent Willis Huntley. Langley, pour la CIA? Tout ce que tu dois savoir sur le meurtrier de ton père est dans ce dossier. Quel dossier? Dossier dans l'avion qui va décoller. Oh, merde! Hé, hey, t'auras besoin de ça. Comment ça? Quand je vais recourir et... C'est pas ça. Rejoignez le tout-terrain. Oh mais moi je voulais aller dans l'avion moi. Là je vais juste devoir le suivre quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, c'est stylé! C'est encore mieux que ce que je pensais! A plus! Oh, bah oui! Excellent! Alors, ça, c'est pas digne d'Hollywood, les gars? Oh, c'était stylé! C'était stylé! Oh non, c'était vraiment trop stylé! Je sais pas si c'est très réaliste, mais c'est stylé en tout cas. Par contre, je peux pas descendre. Je crois que je vais attendre que. Bon, quoi, je dois attendre d'atterrir, je crois. Ok. Bam. Pom pom. Pom pom. Pom pom pom. Pom pom pom. Pom pom. Oh non, c'était excellent. Quoi ça? J'en déduis que t'as le dossier. Ouais, et c'est illisible, votre merde. Ça s'appelle un langage codé, monsieur. C'est censuré. Tu veux en savoir plus? Ferme ta gueule et donne-moi un coup de main. Et je ferai apparaître quelques noms. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu faire tomber Pagan Min et Yuma. Ce que les gens du coin n'arrivent pas à faire. Je croyais que vous étiez les meilleurs en matière de guérilla. Que vous étiez? Le Sentier d'Or a pas choisi la bonne méthode. Je suis là pour leur montrer comment on fait. Phase 1, on leur donne l'aéroport. Phase 2, on s'offre les services d'un certain AJ Gale. C'est toi. Reviens me voir ici quand tu seras prêt. Oh, bon, c'est moi AJ Gale. Au Sentier d'Or. Ils ont pas besoin de tout savoir. Maintenant, tu m'excuseras, mais je dois faire pleurer Caroline. M'en veux pas. Putain de merde, c'est juste un méga trou dans le sol. C'est juste un méga trou dans le sol. Bon, ben voilà, les gars. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, là, j'ai trouvé que la fin était excellente. Oh. À tous les membres du Sentier d'Or, l'armée royale essaie de reprendre l'avant-poste. On a besoin d'aide. Et vite. Lâche la chèvre. Ah. Oh, 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 fuck. C'est quoi cette fin d'épisode, là? Je me suis explosé, mais je crois qu'il est mort. C'est comme ça qu'on chasse ici. Oh, c'est dégueulasse. Donc voilà les gens, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.